Eh bien, salut tout le monde, c'est Matotti, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Banjo-Kazooie. Est-ce que c'est l'épisode final? Je ne sais pas, mais je ne suis pas seul en tout cas. Aujourd'hui, je suis en compagnie de... du gamer, vas-y, dis coucou. Salut. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Voilà, là, la sorcière nous fait un quiz géant. Alors, bien sûr, le gamer ne voit pas. Alors, par contre, le gamer a les solus, n'est-ce pas? Oui, totalement. Voilà. Pourquoi je lui ai demandé d'être là aussi, parce qu'il n'était pas là la dernière fois, on va vous expliquer pourquoi. Et pourquoi il est là pour m'aider pour les solutions, parce que tout simplement j'ai souvenir que les questions sont juste ignobles. Et en fait, on a une sorte de labyrinthe avec plein de questions, que ce soit des musiques, des quiz ou gagner des vies ou des chronos, enfin c'est plein de... C'est un jeu sympa. Ça change du gameplay de base. Et explique pourquoi t'étais pas là hier du coup. Ben, j'étais pas disponible parce que j'étais dans une convention. Et ouais. Voilà, le mec va dans des conventions comme ça, au Ouais, parce que calme. moi, tu vois, non, je rigole. Donc voilà, il y avait aussi un tournoi de SSD. Ouais. Alors, réponds aux questions ou je te botte le croupion. Alors, quelle est la question? Les bois, clic-clac, j'ai pas eu le temps de lire, dis-moi vite ce que est un vrai quoi. Je sais pas, j'ai pas eu le temps de lire. C'est pas ça. Alors, dans Attends, la dis-moi baie les répliques. du Buquet, je t'ai vu souffrir. Quelle machine as-tu pu faire ralentir? Les 20... Quoi? Les hélices? Non. Non, c'était pas les ventilateurs. C'était l'aéro. Ah putain, excuse-moi, j'ai lu dans ma tête, mais. En automne, dans les... Dis-moi, enfin, combien de vers l'aigle? Combien de vers? 5! Non? Oh, je suis en train de perdre toute ma vie, wesh. Il y a mon chat qui vient de rentrer. Dans les bois, en quelle saison la sécheresse fait son apparition? En hiver, en été, au printemps? Ah, c'est quand qu'il y a la sécheresse? Vite! La sécheresse, bah, c'est en été. Ouais, c'est ce qui me semble aussi, mais c'est ça. Putain, y a le chat. Ah, Attends, ouf. attendez 2 secondes. Heureux. Ce sera pas coupé au montage. Alors là, je vais avoir une image à regarder et je vais dire ce que c'est. Regarde cette photo et dis-moi dans quel monde tu as vu ça. Alors fais-moi voir ta photo. Ah, je crois que c'est là où il y a le phoque. Un monde d'hiver. Bois clic-clac, non. Marais moisi, non. Manoir, du... bah c'est dans le manoir alors. Quoi? Ah! Voici un personnage du jeu. Comment s'appelle cette tête de. Ah, oh, c'est la taupe! Comment elle s'appelle la taupe déjà? Attends. Attends, bah, je vais voir sur internet au pire. Pilia, Enfin, là, j'ai Bottle. les Non, c'est solutions, mais. Bottle. C'est bon, je m'en souviens de ça. Dans les réponses qu'il y avait, je me suis pas trompé. Ah. Ah. Je crois que ça vaut un game over, mais là j'ai une question. Alors, on va aller là-bas. Dis-moi, mon gros, combien de notes te fallait-il pour la première porte? 50. Ça, je m'en souviens. Facile. Là, il y a des musiques. Alors là, c'est la question du. Maintenant, faites votre choix. À qui appartient cette voix? Ah, c'est un phoque. C'est le phoque. Morse. Bah, c'est un morse. C'est pas vraiment un phoque, du coup, mais. Attends, je ramasse la vie. Ça, c'est quoi? Ça, c'est le truc d'image. Attends. Eh, franchement, tu verras. Retourne la vidéo. Tu sers pas à grand chose. Je suis désolé pour le moment. Oui, totalement. Ah, qu'est-ce que c'est? On dirait une trappe. C'est dans quel monde ça? Montagne de Mumbo. Bois clic-clac. Baie du trésor. Je dirais bois clic-clac comme ça. C'est pas les bois clic-clac. Ça m'a coûté une vie. Regarde cette photo et dis-moi dans quel monde tu as vu ça. C'est un couteau. Oh, mais ça, c'est dans le.
Dans le bateau. Ah, en plus, j'y suis retourné dans le dernier épisode. Caverne, non, baie du Rusty. C'est ça. La baie du Rusty, je sais pas quoi. Alors là, je vais avoir une question. Dans sa caverne, tu y es allé combien Clunker a-t-il d'entrée? Plus de 4? Ah, c'est ça, c'est plus de 4. Prépare-toi à te. Attends, qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Ah non, je crois que je suis limité pour un exercice. Ah, ça va être chaud. Ok, on a ça, on a ça. Ouais. Bonjour. Ah putain, pour l'instant, j'ai que des trucs que je n'ai rien vu. Toi, t'étais là. Toi. Ici, peut-être, je ne sais pas. Non. Toi, t'étais là, je crois. Hop. Là, il y a quoi? Un œuf. Une note. Je suis désolé, tu vois pas forcément le jeu, mais. Ah! Ah, là, je suis en mode concentré. Attends, la note, elle est là, c'est ça? Ouais. Donc là-bas en bas, il y avait Banjo, mais là, il y a quoi? Une plume, je dirais qu'elle est là, alors. Non. Non, mais. Un Jin Jones jaune, alors je dirais qu'il est là. Non. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, Mambo, alors. Ah, je suis mort. C'est mort. Ah là là, je vais perdre une vie. Je déteste les mini-jeux, c'est rien. Alors, faut que je le refasse. En fait, j'ai un mini-jeu à faire. Écrit. Ah, c'est Banjo. Ah, bah ça va être facile. B. Ah, faut l'écrire à l'envers, c'est vrai. E, dit-il ou le E. Le I. Le I, il est là. O, c'est ça? Ouais. O. Il ou le O. Non, non, il faut un autre O. K. C'est un A, non? Ah non, c'est un Z, vite. Il est où le Z? Là-bas. Un A. Un K. Un O. Un J. Je vais encore perdre une vie. Fais chier. Je vais pas avoir le temps. Tout ça parce que quand je me trompe, je crois que ça enlève du temps. Du temps. Ah là 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 là. Je sens que cet épisode va être long et chiant. Mais sinon, à part ça, ça va toi? Ah ouais, nickel. Ok, alors tant mieux. La réponse directe. Non mais c'est parce que je suis vraiment concentré, je te jure c'est chaud. Non, ouais. Je suis vraiment désolé, je t'ai invité mais du coup t'es... Attends, B, A, K, A, Z, ok c'est un Z, il est où le Z déjà? Il est là, Z, A, K, J, il est tout là-bas le J. Non, c'est pas un J. K-B-A-N. Ah non, il faut un O. Fait chier. Ah, le temps que je vérifie, je me suis fail. Là, c'est bon, je suis mort. C'est un O et là, c'est un J. Je vais encore perdre une vie. Bon. Bon, ben là, c'est ma dernière chance, vraiment. Oh non. Oh non. Foncé, rouge, foncé, rose, foncé, clair, jaune. Bon, ça va, c'était un truc facile, c'est genre ça. 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 Non, ça. Si je me trompe pas, c'est re ça.
Ça. Non, allez. Ça et là. Ben, j'ai réussi. Ok, le mini-jeu le plus dur, je l'ai réussi, alors que tous les autres qui étaient faciles, je les ai loupés. Putain, faut que j'aille ici. Il est temps de cracher le morceau que sais-tu sur moi. Alors là, ça va être une question de la sorcière. J'ai du charme, ça ne fait pas un pli. Comment s'appelle mon petit ami? Le petit ami, vite! Mais attends, mais je sais pas où. Moi, je dis Bobby le... Bobby le zombie. C'était pas ça. Bah, elle avait pas dit au début du jeu, d'ailleurs. Regarde-moi bien et devine un peu avec quoi je me lave les dents. Du lait de porc, des faillotes, de l'huile de viande. Des faillotes. Ah, c'est ça! Oh, j'ai mis au hasard! Et c'était ça! En fait, ça fait peur, il y a une tête de mort là. Ah bah tiens, j'ai vu. Voilà, ok, maintenant j'ai les réponses pour la sorcière. Une seule mauvaise réponse et c'est fatal. Dans la cabine du capitaine du nain Rusty, qu'as-tu vu sur sa couette, mon chéri? Des petites fleurs, des hélices et... encre. Ah, oh, c'était des encres. J'ai mis au hasard, c'était ça. Question de la sorcière. Elles sont hardcore, ces questions. Ma petite chambre, j'ai décoré. Qu'ai-je bien pu utiliser? Elle a décoré sa chambre, qu'est-ce qu'elle a utilisé? Des vieilles culottes, des poissons pourris ou des chauves-souris? Je dirais des vieilles culottes. C'est pas ça. Attends, devine pour voir si tu es malin. Qu'est-ce donc mon plat du matin? Des tétards à la crème, des bigs à ça. Ah, je sais pas, faut que je mette au hasard. Ah, c'était pas ça, je suis mort. Ah, j'espère que je reprends pas tout en bas. Non, c'est pas grave, j'ai juste à refaire le jeu. Bon, ben les gens vont faire une ellipse jusqu'à ce que je retourne là-bas. Re les gens, nous sommes arrivés à la question de la sorcière. Dis-moi, de quel parfum est mon dentifrice gros, je sais pas quoi. À la limace salée. Je crois que c'était ça. La première. Ouais, là, je me souviens. Alors, je me souviens de cette question la dernière fois que j'ai... Enfin, quand j'avais fait le jeu il y a longtemps. Donc là. Dans la vallée de Gobi. Sur un arbre, quel objet est là pour qu'on le regarde? Un perroquet, des lunettes de soleil, un chapeau. Ah, c'est un chapeau. Alors, bon, vous me permettez les gens, je vais faire un truc, c'est pas gentil. Je vous fais une petite ellipse, à de suite. Je me suis permis de faire une petite sauvegarde rapide parce que, bon, en deux fois j'ai eu de la chance, mais croyez-moi, je peux vraiment mourir. Et le gamer est toujours là, hein, quand même. Il parle pas, mais oui, il oui, est là. Oui. Alors, c'est parti. On reprend. Dans la vallée des gobains qui est cachée, tiens, une pièce de puzzle et se fâche. Grabi la main momie. C'est ça. C'était ça. Oh non, on a un jeu chronométré. Ou alors... Je peux faire un truc de visuel. Non, non, non. On doit faire ça. Alors, j'ai un jeu chronométré. Oh, c'est la musique. Oh non, c'est la musique. Les questions de musique. Rose, non. Clair. Rose. Jaune. Violet. Bleu. Enfin, foncé. Clair. Ok. Alors, on a dit que c'était... Rose. Clair, j'ai dit. Rose, jaune, violet, bleu, enfin foncé, et clair.
Voilà. Bonne mémoire. Bonne mémoire. J'ai réussi. Bon, une question de Grotti. Le journal des leaders me trouve à croquer. Comment m'a-t-on photographié ? Allongé sur du crottin, assis sur les toilettes. Donc c'est soit assis sur des toilettes ou allongé sur du crottin. Alors. Ça m'a mis assis sur les toilettes et c'était ça. Bon là j'ai droit. Je dois faire aucune faute pendant 2 tours. Ok, je suis prêt. Il m'arrive parfois de me saouler. Quelle est ma boisson préférée ? Le jus de limace. La je crois, attends. C'est pas le jus de limace ? La bave de. Du... J'ai mis jus de limace. Et c'était pas ça. C'est mon fatal. Ah non. Je suis mort. Alors, je tiens à préciser, si je sers à rien, c'est parce que les questions elles sont pas dans l'ordre. Oui, oui, ce qui est tout à fait normal. Eh bien, re les gens. Ça a été long. Ça a été long et je me suis permis de faire des sauvegardes rapides un petit peu plus souvent parce que c'était chiant. Le gamer est toujours là, n'est-ce pas ? Totalement. Ok, je t'entendais plus parler, je me suis dit, ah, non, il est plus là. Donc, la question. Maintenant, fais choix à qui appartient cette voix ? Ah, c'est le crocodile. Comment il s'appelle le crocodile ? Monsieur Vieille. C'est ça. C'est ça, c'est le crocodile, je me suis gavé. Deuxième question qui peut m'être fatale. Les bois clic-clac, tu as visité, dis-moi vite ce qui est vrai. L'écule est dehors en hiver. Les feuilles sont plus grandes en été. Les feuilles sont plus grandes en été. Ça peut pas être l'été, puisqu'en été, il y a la sécheresse. Oui, mais elles sont plus, les feuilles, elles sont plus grandes. Et c'était ça. Ah, c'était ça. Ouais. Alors les gens, je me permets de faire une petite safe state. Voilà. Voilà. Je me permets parce que, bon, j'ai pas envie de me retaper 2 questions de la mort, quoi. Donc. Une pyramide te fit tournoyer des je sais pas quoi, mais il y a... Mais il en manque un visage. Celui est... Montilda. Celui d'un... Celui d'un Jim Jones. C'est pas ça. Un RIP. Aïe, man, Toti fait des trucs, c'est pas gentil. Bon. On vient dans sa caverne, respire par le haut. Quel objet obstruit son évin rigolo. Un gros écrou. Un gros écrou. C'est ça. Ah, j'ai gagné une vie. Bon. On va faire une sauvegarde rapide, les gens, ici. Et à partir de là, je n'en fais plus jusqu'à ce que je meure. Enfin bref, on continue. Regarde cette photo et dis-moi dans quel monde tu as vu ça. Ah oui, oh, c'est le gros piano. C'est le manoir. Non, c'est le manoir. Voilà. Donc, après on tentera la voie pour récupérer la vie des gens. Donc, on a un mini-jeu à faire. Oh non, mais j'en ai marre de ça. Jaune, rose, clair, rouge, violet, rose, bleu. Alors, j'ai dit jaune, rose, clair... Rouge, violet, bleu et jaune, c'est ça. Ah non, c'est pas bleu. Ah, c'est clair. Ah, c'était pas ça. Bon. Bon, bah les gens, je vous fais une petite ellipse jusqu'à ce qu'on retourne tout là-bas. À quel mini-jeu appartient ce truc ? J'espère que je vais y arriver. Ah, ça, j'ai pas intérêt à mourir deux fois, en fait. Thank you.
J'ai réussi. J'ai réussi. Bon. Bon, les gens, je vous ai épargné le mini-jeu. Enfin, vous l'aurez vu quand même, je pense, mais... Voilà. La jouissance. Bon. Maintenant, j'ai du son. Quel objet, mes petits chéris, vous faites en tant que... Ah, c'est quand on obtient une plume. Une plume dorée. Une plume rouge. Ah. Bon. Bah, je vous fais une ellipse jusqu'à ce qu'on retourne ici. Allez, à de suite. Hein? N'est-ce pas la petite ellipse? Allô? Allô? Le gamer? Allô? Oui, je ne t'entendais plus. Non, mais c'est normal, parce que ton micro il buguait et. Enfin, je comprenais pas ce que tu disais. Mais tu comprenais pas ce que je disais? Non, le micro il buguait, genre j'entendais une syllabe sur deux. D'accord, c'est bizarre. Alors en fait, les gens, je vous montre avec la souris. Les jokers là qu'il y a ici. En fait, quand on en a un, c'est assez chaud d'avoir, mais en fait, on peut en skipper un. Et quand j'avais fait le jeu pour la première fois, j'avais pu en récupérer un, je sais pas comment, et j'avais skippé cette première tête de mort. Donc, on continue. C'est parti. Alors la question, c'est le marais moisi et infecté qui est quoi? Qui est quoi? Te mange? C'est des piranhas. Allez, bon. Alors à partir de là, les gens, je me permets de faire une safe state parce que il y a deux trucs comme ça. Franchement, j'ai pas envie de me les manger. Bref, parce que j'ai pas envie de recommencer le truc à chaque fois. Qui donc sur la montagne de Mambo vit dans une tour pour faire bobo? Fati la boule, Boogie la vie. Je dirais ça. Ok, c'était ça. Je ne savais pas. Bon, on continue, il y en a bientôt. Fait Grunty, toute nue, je fais souvent je sais pas quoi. Quel est donc mon porte-bonheur? Un moucheron sale, une tête de lapin. C'est... Oh non, mais pitié, c'est question. Bon. Les gens, s'il vous plaît, safe state, quoi. Non, merci, j'ai pas envie de mourir là, quoi. Il est vrai que je pue les pieds, mais quel concours ai-je un jour remporté? Des plumes grosses fesses, des plus grosses fesses, de la culotte la plus sale, la culotte la plus sale, c'est ça. Au KLM. Non, c'est... tranquille. La culotte la plus sale. Bon, j'ai la dernière question. Et si je me trompe, dans tous les cas, je meurs. Et c'est ma dernière question. Attention. Sous l'encre du Rusty Buque, quelle créature est coincée en... C'est... Ah, je sais, c'est... un crabe, non, un dauphin. Et j'ai gagné. Ouais. On a réussi le quiz, les gens. Je ne peux pas perdre, me l'a dit les crogans. Je comprends plus ce que je lis. Le pire, c'est que j'ai servi à rien. Mais c'est pas grave, t'étais présent, il y avait quelqu'un, c'est amusant, tu... Voilà. C'était cool. C'est amusant, j'ai toussé, c'était cool. Ah oui, moi aussi, tu vois. Donc, bon. Les gens voient une porte, elle est ici. Star prix. Ah, moi j'ai envie de prendre la grosse Grunty ou alors la... J'ai pas envie de prendre le premier prix qui est Tutti. Donc les gens, nous avons sauvé Tutti. Voilà, elle est là, on l'a remporté. On gagne Tutti, tu sais, on la sauve pas, on la gagne. C'était un concours. C'est ça. Mais les gens... Il y en a, ils sont en train de se dire, mais quoi, on a fini le jeu là? D'après toi, le gamer, est-ce qu'on a fini le jeu?
Ah, moi je connais. Alors, excusez-moi, ça a coupé pendant le générique, donc je disais. Je pense que je disais. Il y a un générique, c'est pas normal. Hein, je sais plus du tout où je m'en suis arrêté quand je parlais. Mais non, ce n'est pas l'épisode final, même si je préfère prévenir avant. Voilà. Mais il fallait laisser le suspense. Mais non, parce que t'imagines, les gens ils disent waouh, on a fini et tout, je mets un épisode final, ils le regardent pas. Donc voilà. Petit truc, je voulais vous prévenir. Oui, donc vous avez loupé un tout petit bout du générique, c'est pas bien grave, vous avez loupé Gruntilda et je sais pas quoi. Et Tutti, c'est tout. Le reste, vous avez pas. Wow. Mais je m'excuse, je sais pas pourquoi ça a arrêté de filmer, mais là ça filme. Je pense que vous auriez eu encore une fois un tout petit condensé, ce sera drôle. Le gamer n'a pas pu beaucoup participer, je suis vraiment désolé quand même. Hein? T'as pas pu beaucoup participer, je suis désolé. Non mais, enfin c'est pas grave. Hein. Voilà. Et j'ai l'impression que chaque personnage a modélisé... Non, chaque créateur du jeu a modélisé un personnage. Ou a imaginé un personnage, j'ai l'impression. En fait, je t'entends pas du tout. Le micro il bug. Mais tu. Sérieux? Ouais, c'est horrible. Mais j'espère que ça vient de la connexion Skype et pas de la vidéo parce que si ça bug, je suis un peu dans la merde. Enfin, là ça va mieux. Enfin, bon, comme je te disais, tu disais quoi du coup? Je disais que les personnages du jeu. Enfin, les. Chaque personnage du jeu, j'ai l'impression que c'était modélisé par quelqu'un ou une idée quoi. Bah, c'est logique. Ouais. Ouais. Mais pendant ce temps, n'hésite pas à me poser des questions pendant ce générique, quoi, parce que. Alors, bah, ok, j'en ai une. Que penses-tu de Yooka-Laylee? Yooka-Laylee, je pense que ça pourrait être un très 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 bon jeu. C'est bizarre parce que j'en ai parlé dans le dernier épisode et je disais que je le ferais peut-être en let's play. Ouais, enfin, moi je trouve, enfin, c'est le but, mais. Enfin, ce que j'ai bien aimé, c'est que, genre, même, ils ont vraiment. Pas plagié parce que c'est les mêmes, ils ont vraiment tout repris de Banjo-Kazooie. Même, ça c'est une touche, mais même les dialogues quand ils parlent, tu vois leur petite tête en haut, c'est... Ah, mais ça c'est ce qui fait le charme. Quand même. Ouais, mais tu vois, c'est amusant de revoir ça. Enfin, moi après je suis pas un fan de Banjo-Kazooie, mais je trouve que c'est amusant de revoir ça. Ouais, mais j'ai pas joué au jeu, j'ai hâte qu'il sorte sur Switch pour l'acheter pour le coup. Mais ouais, c'est... Je pense bien redécouvrir un jeu, je pense à mes frères aussi, ça ferait plaisir. J'espère. Enfin, du coup, pour moi, je te dis, il me tente. Et encore Banjo-Kazooie, tu vois, il me tente pas parce que déjà, je préfère le faire sur ma console que sur Emule. Mais c'est pas un jeu qui m'attire. Mais franchement, Yooka-Laylee, franchement. Bah, moi, il m'attire moins que Banjo-Kazooie, mais pourtant, j'ai quand même envie de le faire pour le découvrir. Mais si j'ai toujours une préférence pour Banjo-Kazooie. Oui, mais toi, c'est normal, tu l'as découvert genre quand t'étais petit, il y a la nostalgie, il y a tout. Ouais, ça doit être ça. Ouais, comme moi, enfin, petite anecdote, Sonic Adventure, il est moche, mais moi, c'est mon jeu préféré, parce que j'ai la nostalgie. Mais voilà, enfin, moi, qui connais pas Banjo-Kazooie, enfin, qui connais, parce que je regarde ton aspect, mais qui est pas joué, enfin, à part sur Emule, pour moi, c'est genre une chance de faire un Banjo-Kazooie. D'accord. Enfin, comment dire, enfin... Tu vois, même jusqu'à la musique, ça s'entend que ça s'inspire de Banjo-Kazooie. Ah bah oui, c'est tout. Mais c'est pensé pour, quoi. Voilà, c'est trop bien. Donc là, on est en train de revoir beaucoup de personnages du jeu. Ah, les chiottes. Logo. Le mec s'appelle Logo, L-O-G-G-O. Logo. Oh, le dauphin. Mais je l'avais sauvé, le dauphin. Les salauds. Le faux raccord. Le gnawati. Bah tiens, vu qu'il y a un générique, dis-moi aussi ce que tu, enfin, de ce que tu penses un petit peu de Banjo-Kazooie. Je sais que t'as un petit peu dit ce que tu pensais, mais pas entièrement quoi. Bah, Banjo-Kazooie, c'est comment dire, enfin, c'est peut-être un peu con ce que je vais dire, mais en fait, c'est pas comme Zelda Ocarina of Time.
Bah oui, enfin, c'est logique. Zelda, c'est mais... un jeu d'aventure et dans le jeu Kazooie, c'est un jeu de plateforme. Donc, Ouais, mais en fait, je sais pas si je te l'ai dit. Enfin, oui, il me semble que je te l'avais déjà dit, mais Banjo Kazooie, c'est un jeu qui est super flippant. Oui, tu m'as déjà dit ça, qui te faisait peur. Ouais, tout le monde parle dans ce jeu. Genre, t'imagines, genre, un jour, tu vas dans tes chutes, t'es tranquille, et après, il fait oh, mais qu'est-ce que tu fais, t'assois pas sur moi. Ah, non, mais c'est horrible. Comment ils font pour vivre dans leur univers, les gars? Je sais pas. Et là, les gens, donc on se tape une petite scène marrante. Ils se font un barbecue. Et là, t'as Tutti qui va arriver de souvenir. Ils sont tranquilles en train de, en train de se faire un barbecue. Ça rappelle un peu Crash comme jeu. Crash que je pourrais peut-être un jour vous faire un let's play. Moi, j'ai jamais testé. Ça m'attire pas non plus. Bah, j'y avais joué il y a longtemps, une fois, quand j'étais petit, tu sais, chez des amis. Et j'ai acheté la PS1 il y a un moment maintenant, l'année dernière. Et j'ai le jeu et j'avais passé un bon temps dessus quand même. Mais je pense qu'avec les save stages, je serais plus motivé à faire le jeu. Moi, enfin, moi aussi. Hein ? Attends, vas-y. Non, moi, c'est un jeu qui m'attire pas personnellement. Déjà parce que je suis. Enfin, à part pour les Kingdom Hearts, les limites, les Assassin's Creed que j'ai pas encore testé, mais franchement, je suis pas trop PS. Voilà, PS. Ah, ok. Bon, les gens, je vous explique ce qui vient de se passer. Vous avez vu une petite scène marrante, et en fait, Tutti est arrivée, elle a fait ouais, mais faut aller se faire Grand Tilda et tout. Parce que elle est encore vivante. Et ouais, elle est encore vivante. Donc, c'est bien de faire la fête, mais faut aussi la défoncer. Bon. Qu'est-ce qu'on fait, les gamers? Est-ce qu'on va au boss final maintenant? Est-ce qu'on y va? Moi je dis oui. Quoi, tu vas aller le battre maintenant? Ouais, allez, c'est parti.